Eh bien, salut tout le monde! C'est Wolf Lorenzo et je vous souhaite tous un joyeux Noël. Pour ceux qui ont des beaux cadeaux, moi, en partie, j'ai eu un beau cadeau. Hein? Il faut l'avouer. Donc, je l'ai déjà sorti. Donc, regardez. Je l'ai déjà sorti. J'ai déjà les cartes de réalité. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc, là, j'ai la DS depuis même pas une heure. Donc, je fais une grande vidéo pour vous. Donc, vous voyez que j'ai déjà ouvert. J'étais tellement pressé. J'ai pas commencé les jeux. Alors, je vais vous montrer les jeux. Donc, j'ai eu Mario Kart 7 et Pokémon Y. Et dans les commentaires, vous me direz comment on fait pour télécharger Mario 3D Land. Parce que j'ai eu en cadeau. Donc, on va commencer tout de suite. Il hein. Faut déjà que je me loupe. Je commence bien. Ah ouais, ok. J'ai rien du tout. Donc, alors. Ah mince, désolé. Donc, pour ceux qui veulent savoir le prix, moi, sérieusement, elle m'a coûté entre 200 euros. Donc, quand vous ouvrez, vous aurez ça, les codes PIN. Je sais que c'est pour la... C'est pour Internet. Voilà. Ah oui, mais c'est sur Internet. Ah ouais, ok. En fait, quand vous avez la DS, elle est très lourde. C'est à cause de ces paperasses. Donc, vous avez tout et tout et tout. Vous voyez, vous avez tout ça. Et vous avez derrière les, dans toutes les langues, ce qu'ils vous disent. Donc, il y a anglais, italien, français, toutes les autres langues. Donc, voilà. Donc, on va venir au principal, hein. Pour moi, c'est le principal. Hein. Donc, quand je l'ai ouverte, j'étais tout excité. J'ai pas pu m'en empêcher. Voilà. Ma 3DS XL. Donc, elle est quand même assez grande. Hein, pour dire. Très légère. Pour ceux qui savent savoir aussi, elle est très légère. Donc, nous avons la prise pour recharger. La insération de carte. Je sais pas trop ce que c'est ça. Là nous avons le son. Là nous avons le son. Devant nous avons la prise pour les écouteurs. Et là nous avons, je sais pas ce que c'est ça en fait. Je sais pas ce que c'est. Donc vous avez le stylet comme toutes les DS. Hein. C'est habituel. Et là c'est pour la 3D et les photos et les vidéos. Donc là. Nous avons le nouveau le stick, on peut dire ça comme ça. Là, bah, c'est pareil. Et en bas, on a le Start, le Home et le Select. Donc, on va l'allumer. Et pour oublier là, la 3D ou la 2D. Donc, ouf, j'ai allumé. Voilà. La belle petite 3DS. Voilà. Donc, je fais un petit pour voir un peu les jeux. Je vais commencer. Voilà. Donc pour vous, là pour moi c'est en 3D. Hein. Là je sais pas trop ce que c'est. Ça sert hein, trop bien. La guerre des têtes. Je pense que c'est en photo et tout ça. Donc je pense que c'est sur Internet, sur YouTube, enfin pas sur YouTube, sur les ordinateurs qu'on peut pour Mario. Je crois bien. Nouvelle. La nouvelle comment ça s'appelle, nouveauté, c'est qu'on peut créer notre propre Mi. Ça, c'est assez sympa. Là, c'est pour la santé sur la 3DS. Voilà. Donc, l'écran, vous voyez qui est quand même assez énorme. Et là, c'est la place pour le jeu. Donc, je vais la poser. Donc, Pokémon, j'ai testé tout seul. Hein. Juste faire une petite course avec vous. Pas la peine, désolé. Voilà, on va commencer tout de suite Mario. Alors attendez deux secondes, je vais mettre dans le noir pour que vous voyez mieux.
Donc vous avez le multijoueur local, le multijoueur. Attendez. Le multijoueur en ligne et un joueur. Hein. Donc on va faire le un joueur. Alors, il faut bien que je me pose parce que j'ai du mal à rester. Donc vous avez comme tous les Mario le Grand Prix contre la montre, la course des ballons et des pièces. Donc on fait un contre la montre. Donc d'après les vidéos que j'ai pu voir, on peut customiser notre carte. Donc je vais le laisser comme ça. Donc on va aller là. On va celui-là, allez, hop. Ok, allez, on va commencer. Donc je fais juste une petite vidéo, c'est très rapide. Donc je suis pas très fort sur Mario. Ça je peux vous le dire. Ah purée, vous voyez. Je suis pas du tout un boss. Et je sais pas du tout une nouvelle. C'est pas une nouvelle carte, non. Non, c'est pas une nouvelle carte, ça c'est. C'est une ancienne, c'est d'après mes souvenirs. Bon voilà, hein. Je vous ai montré un peu l'essentiel. Donc voilà, on a home et on peut reprendre la course même quand on laisse la carte. Ça, c'est vraiment énorme. Voilà, donc on va l'éteindre. Faites ça. Et là, vous faites éteindre. Et puis voilà. Donc j'espère que ce petit unboxing vous aura plu avec mes jeux. Et petit conseil pour la 3DS, il n'y a pas de chargeur 3DS. Il faut celui de la DSi. Voilà. Petit coup de pour ceux qui veulent se tromper ou pas. Bon bah allez, je vous souhaite un joyeux Noël, des bons cadeaux et à plus.